Bonjour. C'est par les marchés que l'on peut sentir les battements de cœur d'une ville. Conservant sa tradition historique de centre de commerce, Valencia déborde de marchés. Le plus célèbre et le plus représentatif est l'immense Mercado Central. Il a été construit au début du XXe siècle et constitue l'un des principaux exemples de l'art nouveau à Valencia. Architecture en fer, vitraux et céramique représentent la richesse de la cité valencienne. Sur son toit, une girouette représente un cacaotier qui est devenu le symbole du marché. Considéré comme le deuxième marché couvert le plus grand d'Europe, c'est un véritable spectacle que de parcourir ces étals remplis entre autres de poissons, de fruits, de légumes, de viande ou encore d'épices, de sucreries. Le grand dôme central laisse bien entrer la lumière et le marché est très organisé et propre. Mais en même temps, l'endroit conserve son charme de marché traditionnel où les mêmes boutiques existent depuis des décennies. Autre marché emblématique de Valencia, le Mercado de Colón. C'est plutôt un ancien marché devenu un lieu branché et chic où sont regroupés bars et restaurants. C'est également un exemple clair de l'architecture moderniste. Il a été déclaré monument national et impressionne par ses façades extraordinaires et ses décors somptueux. On peut ici sentir l'influence d'Antoni Gaudí. Même s'il reste quelques commerces traditionnels au sous-sol, on peut regretter que ce marché ait perdu son usage original et par là même un peu de son âme. Au-delà du centre-ville, n'hésitez pas à vous rendre dans les autres marchés, il en existe de toutes les tailles et si vous aimez les produits frais, vous y trouverez votre bonheur. Des lieux où les touristes sont moins présents et où les constructions sont plus modestes, mais des marchés qui bénéficient d'une ambiance typique, pleine de charme et où vous pourrez faire vos courses au meilleur prix.